Je veux que tu parles avec le procureur, qu'il intervienne pour mon fils. Oui. Oh. Ça. Je te rappelle. Oh. Ça. Ça. Michaela, écoute-moi. Ne me tire pas dessus, hein, s'il te plaît. Je te jure que si tu ne le fais pas, je vais me rendre moi-même à la police. Michaela, est-ce que tu m'entends? Michaela, Michaela. Mais regarde un peu l'efficacité de la nounou de Daniela. Hein, regarde ça. À un moment, tu m'as vraiment fait peur, hein? Regarde-toi. Tu n'es qu'une handicapée. Tu n'imagines pas comment j'ai attendu le moment de t'avoir devant moi, assassin. Donne-moi ce pistolet. Mais rends-toi compte un peu, tu fais pitié. Donne-moi ce pistolet. Allez, donne ça. Imbécile! Tu n'es qu'une infirme et une imbécile! Paulina. Tu n'imagines pas comme je suis triste. Moi, je voulais qu'on soit une famille unie. Qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est électrocuté dans le jacuzzi. Dans un hôtel. Tu veux dire qu'il s'est suicidé? Oui, il a laissé une lettre disant qu'il nous demandait pardon pour tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Ah ben, moi je trouve ça très bizarre, hein. Pourquoi? Eh ben, parce que ça ne me semble pas logique qu'il se suicide quand il a demandé à Paulina de la voir. Attends, attends. On ne sait jamais comment on peut réagir dans la vie. Et encore moins dans un moment de désolation. Écoute. Tu crois qu'il vaut mieux que je te l'apprenne, moi. Plutôt que ce soit un étranger. Moi aussi, ça me fait très mal. Mmh. Ah, d'accord. D'accord. Si on organise bien toutes les funérailles, j'aimerais que tu viennes. Je passerai te chercher, Paulina. Oui, bon, d'accord. Allez, vas-y. Tu la crois, toi? Ben, que mon père soit mort, ça... Ben, pourquoi il nous raconterait des bobards, hein? Non, je veux dire... Ça, oui. Oui, je la crois, mais... Mais par contre, qu'elle soit là à pleurer et qu'elle compatisse, ben ça non, elle ne s'intéresse même pas à son fils. Oui. Tu sais quoi? Moi, je pense qu'elle trame quelque chose. Elle veut un truc. Tu crois ça? Mmh? Oui. Allez, viens, on rentre. Bien, allez.
Viens là. Je ne peux pas laisser cette fille découvrir qu'il y a de l'argent. Cet argent est à moi. Il me revient. Oh, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que t'as, imbécile ? Je dois faire quelque chose. Je vais la faire disparaître. Bien sûr. Sans que personne ne le voie. Ni le petit diable, ni la chanteuse de cabaret. Alors, ça va, mon mignon? Salut, ça va? Ouais, toi, tu veux pas de problème? Alors, comme ça, tu veux pas de problème. Et alors? Tu bouges pas, tu te calmes, hein? Tiens! Et toi? On t'a dit d'obéir, hein? Allez, allez! Bah, je l'ai vu il y a un moment. Il m'a fait comprendre que... Enfin, il a plutôt été très clair en me disant... qu'il ne voulait plus être avec moi. Bon, je me disais bien que tu avais un problème. Tu as l'air mal, c'est vrai. Seulement, franchement, je pensais que c'était un peu plus lié à ta famille. Je ne pensais pas qu'il s'agissait d'Oscar. Bah oui, aussi. Salut, Gonzalo, comment vas-tu? Bien, et toi? Comme toujours. Tu sais, je lui ai mis la même chose super, à elle. Super, hein. C'est super, merci. Oui. Merci. C'est quoi? Une vodka, avec du jus d'érable. Ah non, je ne bois pas, Gonzalo. Tu pourrais plutôt me commander une limonade? Attends, goûte voir un petit peu, ça te fera rien. Santé. On trinque à nos amours perdus parce que je suis comme toi. Oui. En fait, tu te souviens ce que je t'ai raconté au parc? Mais pourquoi tu fais cette tête-là? Non, c'est très bon. Alors, tu aimes? Ben, c'est un peu fort, mais c'est très bon. Très bien. Et tu te souviens de ce que je t'ai raconté au parc sur Julieta, la fille avec qui je suis sorti? Écoute, ce que je veux te dire, c'est que tu peux me faire confiance, tu sais. Je comprends beaucoup mieux que tu ne le penses que tu ressens. Et je suis là pour que tu me racontes et tu me comprends? Bon, parle-moi de cette fille. Allez, arrête de... Ne lui fais rien. Ne lui faites rien. Laissez-nous seuls. Qu'est-ce qu'ils sont méchants, les gens, ici, hein? Alors, tu as vu qui commande ici? C'est moi. Là-bas, dehors, tu peux être un type bien. Et avec ton fric, tu peux faire ce que tu veux avec les gens. Mais ici... Non. Ici, celui qui fixe les règles, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux, Carmelo? Ah, quel imbécile tu fais. Je peux faire en sorte que ces sales types te fichent la paix. Mais par contre, ça va te coûter un bon paquet. Ici, tu vois, rien n'est gratuit. Non, rien. Oh, Sainte Vierge. Ma fin est proche. S'il te plaît, protège Daniela et ses enfants. Ne les abandonne pas et éloigne-les le plus possible de ce monstre. Tu vas rester ici, hein? Et bien calme. Jusqu'à ce que je décide ce que je vais faire de toi. Pourquoi tu ne me tues pas tout de suite, imbécile? Je n'arrive pas à croire que tu aies pu être aussi stupide. Tu te rends compte que tu m'as facilité les choses? Un pourri. Tu n'es qu'un pourri. Si je te raye de la carte, Diego va avoir beaucoup de mal à prouver que je suis l'assassin de son épouse, tu ne crois pas? Tu es la seule preuve qui existe. Ah, Michaela, maintenant tu es entre mes mains, pas vrai? Horatio! Horatio, mais t'es où?
Pour l'amour de Dieu, Horatio, où es-tu? Bon, allez, donne-moi ta main. Donne-moi ta main! Il va falloir attendre un autre moment, n'est-ce pas? Horatio! Mais tu vas être bien, pas vrai? Je vais t'apporter un truc, un petit verre d'eau, quelque chose. Si tu savais comme je m'en fiche de toi. Bon, allez. J'ai autre chose à faire. Tu me permets? Gonzalo. Juste à temps, hein, Ricky. Très bien. Je lui ai mis la même chose à elle, hein. Gonzalo. Je me sens pas très bien. J'ai mal au cœur. Bah oui, c'est un peu normal, non? Puisqu'on a bu plusieurs vodkas. Mais bon, calme-toi, ce n'est pas grave. Tu peux me ramener chez moi. Je ne crois pas. Pas maintenant. Si on rentre chez toi maintenant, ça va mal se passer. Et moi, c'est vrai que je ne veux pas de problème ni avec ta mère, ni avec ton père pour le moment. Après, mais pas pour l'instant. Non. Si, je préfère que tu me ramènes chez moi tout de suite. Attends, je te propose un truc. On attend un petit peu. Un petit moment, c'est tout. On marche, on attend que ça redescende un peu, et après je te ramène chez toi, et puis voilà. Un petit moment. Non, mais... Gonzalo, non. Mais je sais ce que je te dis. Si on y va maintenant, je sais. Je sais. On va aller chez moi. Et là, on pourra être tranquille pour que tu ne sois pas... pas aussi stressé, et comme ça, on attend que ça redescende. Tranquillement, et ensuite je te ramène chez toi, et voilà. Moi, je préfère vraiment que tu ramènes chez moi. Bon alors, hein, t'acceptes ma proposition? Moi, je ne fais cette proposition qu'une seule fois. Je ne vais pas te prier pour que t'acceptes ma protection. Je vais essayer de trouver cette somme d'argent. C'est une grosse somme. Prends-le sur ce que tu avais sur ton compte. Toi, l'argent te tombe du ciel. Il suffit de voir la voiture que tu as. Non, Carmelo. Ma famille est en faillite. Je n'ai plus d'argent. Bon, bah, vois comment tu peux faire. Moi, je t'ai déjà donné le tarif de mes services. Très bien. Je vais appeler chez moi pour voir ce qu'ils disent. Ils peuvent en trouver une partie. Non, pas une partie. Je veux la totale. Pas un centime de moins. Et il faut que ce soit pour ce soir, sans faute. Sinon, je ne fais plus rien. Carmelo, c'est une somme d'argent importante. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est pour ce soir. Allez. Protégez-le. Il ne lui arrive rien. Je vais te servir un peu de gin. Ça va te faire du bien. Gonzalo. Gonzalo, j'ai vraiment très mal au cœur. Tu pourrais appeler un taxi? Il vaudrait mieux que je rentre directement à la maison, moi. Carina, quel genre de personne tu crois que je suis, hein? Je ne vais pas t'envoyer prendre un taxi tout seul maintenant, encore moins dans cet état. Bois plutôt ça, hein? Ça va te faire du bien. C'est quoi? Du gin. Non, Gonzalo. J'ai vraiment envie de vomir. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui. Viens là. Je t'emmène. Fais attention. Oui. Viens. C'est par là dans ma chambre. Dans ta chambre? Oui, dans ma chambre. Non. Attends, Carina, je comprends vraiment pas pourquoi tu ris ou tu réagis comme ça. Surtout parce qu'on se connaît depuis toujours. J'ai été ton camarade à l'université. Viens, fais-moi confiance. Allez, viens, viens. Fais attention. Voilà. Écoute, tu devrais plus me faire confiance. Bois ça. Voilà. L'imbécile, il n'est jamais là quand il faut. Horatio! Horatio, s'il te plaît, réponds-moi quand je te parle!
Mais où étais-tu? Tu étais au sous-sol? Mais qu'est-ce que tu y faisais? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais à la prison pour voir Santiago. Tu m'accompagnes? Non, non, j'ai pas mal de choses à faire ici. Je vais passer quelques coups de fil à des avocats pour voir ce qui peut nous aider. Fais comme tu veux. Je vais emmener le petit parce que je n'ai personne à qui le laisser. Karina a dit qu'elle allait s'occuper de son neveu et regarde ça. Elle n'est pas là, alors je dois m'en occuper parce que je n'arrive à la joindre nulle part. Dis bien à Santiago que j'irai le voir plus tard, dès que j'aurai trouvé un avocat, hein. Écoute, rappelle-toi que ton copain ne veut plus de toi, hein? Moi aussi, je me sens très mal après ce qui s'est passé avec ma copine. Gonzalo... On est tous les deux ensemble pour se soutenir. Non, Gonzalo... Et en fin de compte, on va pouvoir être bien, hein? J'arrête pas de penser à mon père, Daniela. C'est vraiment très moche qu'il se soit suicidé. Mais qu'est-ce... Bon, mais qu'est-ce qui peut amener une personne à en finir avec la vie? Enfin bon... Dans la vie, il y a bien des choses moches et tout, mais... Bon, la vie est très belle. Oui. J'ai toujours pensé qu'il y a de bonnes choses qui contrebalancent les mauvaises. Monsieur Diego me dit toujours qu'il faut se concentrer sur les bonnes choses, pas sur les mauvaises. Ouais. La vie est très belle. Enfin bon, il y a des obstacles et tout, non? Par exemple, Santiago. Maintenant, il s'occupe bien de son petit. Puisqu'il a le syndrome de Down. Oui. C'est un ange qui lui est tombé du ciel. Oui. Et cette Sandra, là, l'imbécile, elle veut même pas le voir. J'ai l'impression que celle-là, elle a même pas de cœur. Dis-moi, tu crois que je suis pareille? Parce qu'enfin, après tout, c'est ma sœur et ces trucs-là, cette famille, non? Ah, mais ne sois pas idiote, ouais. Bien sûr que non. Toi, tu as un cœur en or. Dis, Daniela, et comment tu vas faire ce que t'as demandé Santiago, hein? Enfin, comment tu vas savoir si son bébé va bien? Parce que je crois pas que ni le vieux bouc, ni la vieille folle te laisseront t'approcher, hein. Ben, je vais appeler Karina pour qu'elle me dise comment je peux l'aider. Oui. Mon portable. Laisse-moi répondre, Gonzalo. Reste tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi répondre. Karina, stop. Laisse-moi répondre. Elle répond pas. Et alors? Ben, je vais voir comment va le bébé. Tu vas chez les Rodriguez, non? Arrête ça, Daniela, arrête un peu, va pas te jeter encore une fois dans la gueule du loup, sois pas stupide. Mais j'ai promis à Santiago que j'irai voir comment va son fils et je vais le faire. Ah! Mais crois pas, je te laisse aller toute seule dans cette maison, hein? Je viens avec toi. Bon, on regarde juste si le petit manque de rien et puis on s'en va tout de suite, hein, d'accord? Tu vois que tu as bien un cœur en or. Ah! Allez, on y va! Viens par là, mon petit. Viens. Allez, viens. Eh oh, pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que t'as, hein? Parce que t'es bête, t'es stupide, t'es idiot, t'es imbécile. Pourquoi tu t'es laissé attraper, hé? Un écervelé, voilà. Voilà ce que t'es. Oh, ça suffit, maman, ça suffit, hein? Je t'ai dit de faire attention. Et du surtout pas de montrer. Ça suffit, non? En plus, ce n'est pas ma faute. Cette vieille Rebecca qui m'a tendu un piège avec les flics, c'est pour ça qu'ils m'ont chopé. Vieille pourriture. Assieds-toi. Bah, aide-moi, alors aide-moi, tu vois. Regarde ce qu'ils m'ont mis ici. Mais tu sais rien faire. Dangereux. Tu sais rien faire dans la vie. Tu sais quoi, fiston? On va pouvoir enfin prendre notre revanche. Tu sais qui j'ai rencontré là-bas dehors? Avant qui ça? Daniela. Ah, parce qu'elle est venue me voir, chérie. Bah oui, elle a dû venir pour me voir ici. Imbécile. Imbécile. Stop, maman, stop. Elle est venue parce que Santiago est enfermé ici. Hein? Le fils de la vieille qui t'a dénoncé est ici à l'intérieur. Non, bah il est cuit, Santiago. Calme-toi, calme-toi, bêta. Avant de lui faire sa fête, arrange-toi d'abord pour lui soutirer un bon petit pactole.
Parce que c'est impossible que sa famille ou que Daniela le laisse sans rien, pas vrai? Et sur ce que tu lui prendras, écoute-moi bien. Mais écoute-moi bien, Nigo. On va faire moitié-moitié. Hein? De quoi? Que ça vaille au moins la peine de te rendre visite. Dis donc, maman, tu perds pas le nord, hein? Regarde. Louisa? Ah, Louisa, il faut que tu me donnes un coup de main. Je dois sortir, je n'ai personne à qui laisser le petit. Attends, mais quoi? On ne parle pas la même langue, toi et moi? Ah non, mais j'oubliais que non, Rebecca, pardon. Je n'entends pas bien. Je t'ai déjà dit que je suis avec Sandra à l'hôpital en attendant qu'elle sorte de sa thérapie, Rebecca. Oui, je sais, mais tu peux la laisser un moment, tu sais, c'est une grande fille. Je ne peux absolument pas la laisser toute seule, et encore moins après ce qui s'est passé, Rebecca. Mon Dieu, mais tu ne comprends pas? Écoute, Louisa, permets-moi de te rappeler que cet enfant est aussi ton petit-fils. Et tu ne peux certainement pas t'en désintéresser aussi facilement. Permets-moi de te rappeler, ma chère amie, que ton fils a dit qu'il allait assumer la responsabilité de cet enfant. Mais Santiago est en prison en ce moment, alors il ne peut vraiment pas s'occuper de ce petit. En fait, là, je vais lui rendre visite. Comment ça, il est en prison? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Rebecca? Pourquoi? Parce que... Ah non, 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 écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer pour le moment. Je suis pressée, au revoir. Au revoir, hein? Ah, mais qu'est-ce qu'elle est pénible, celle-là? C'est pour ça que personne ne l'aime. Le problème, ma très chère Michaela, c'est que tu ne vas pas sortir vivante de cette maison. Ce que je ne sais pas, c'est comment je vais te tuer. Un coup de feu ici, dans ma propre maison, va m'incriminer, non? Même si ça pourrait aussi passer pour... un suicide. Non, non, pas ça. Je vais plutôt te tuer, puis te jeter dans un fossé, qu'en penses-tu? Ça, c'est pas mal. Le problème, ça va être le sang, pas vrai? Tu es rempli de haine, Horatio. Et tu l'as toujours été. Alors. Toi qui as toujours été servante, avec quoi je pourrais nettoyer le sang? Qu'il ne reste rien, aucune trace. Monsieur Horatio! Qu'est-ce que tu veux? Je suis occupé. On vous demande. Je viens de te dire que je suis occupé. C'est Madame Daniela. Daniela? Ça alors? Tout ça devient de plus en plus intéressant, pas vrai? Bon, on va voir ce que veut Daniela. Hein? Ah, mince. Alors? Je suis allée au magasin avec les bébés. Ah, Mercedes. Ah. Ah. Luciano, entre donc. Yamina, comment ça va? Bien, et toi? Tu voulais voir Daniela? Oui. Oui, je voulais lui raconter que j'ai découvert quelques détails de plus sur le cas de Santiago. Oh, ben moi, je viens du cabaret et les choses sont pas terribles là-bas. Écoute, il se trouve que le type qu'ils ont tué, ben, c'était un délinquant. Mmh. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, je n'en doute pas. Et toi alors? Ben, rien, mais pour Santiago, ça va être plutôt compliqué. Oui, mais compliqué. Il lui dit qu'il n'a pas tiré, que c'est l'autre type qui a appuyé sur la détente. Ah, oui, je le sais, mais bon. Quoi? Luciano? Tony, allez, Tony va témoigner contre lui. Quoi? Tony est en train de dire qu'il a vu Santiago tirer sur Salvatore. Et comme il a assisté à la scène, eh bien son témoignage a beaucoup de poids. Bon, alors Santiago est bien coupable? Oui, il est coupable, ou son frère lui joue vraiment un coup tordu. Oui, mais pourquoi? Si je le savais. Je n'en ai aucune idée, c'est pour ça que je dis que ça va être difficile pour Santiago. Et sur son allée, Daniela? À moi, c'est vrai, cette maison me fiche la chair de poule. Non, attends un peu, on nous a dit que Monsieur Horatio était là. On va attendre un petit peu. Mais juste un petit peu, hein? Non, allez, on y va. Non, attends, Paulina, attends un peu. Oui. Daniela? Je suis venue voir le fils de Santiago parce que je lui ai promis. C'est toi, pas vrai? Tu es ici? Quoi, mais t'entends pas, vieux fou? On vient pour voir le petit. Quoi? Quoi? On est venu pour voir le fils de Santiago. Ah oui?
Bien sûr, entrez, oui, entrez. Dans cette partie de la thérapie, nos efforts vont viser à ce que tu puisses discerner ce qui est réel de ce que tu imagines. En ce moment, en raison de la mort de ton père, tes hallucinations se sont multipliées. Attendez un peu. Moi, je vous dis que ce que j'ai vu est réel. Et si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Pourquoi vous ne me croyez pas ? Sandra, tu as déjà eu ce type de symptômes. L'important est que tu prennes tes médicaments. Non, mais... Quels médicaments ? Je ne veux pas de médicaments, parce que comprenez bien, je ne suis pas folle. Je veux que vous me croyiez. Si je vous dis que c'est réel, c'est parce que ça l'était. Sandra, s'il te plaît. Non, lâchez-moi. Viens, Sandra. Tu ne peux pas partir comme ça. Ne me touchez tu pas. Tu dois avoir confiance en oui, moi. Ne me touchez pas. Assieds-toi. Oui, je m'assois toute seule. Je vais demander qu'on t'apporte un petit calmant. Calme-toi. Aïe. Je continue à penser à toi, Sandra. Je pense à toi et moi qui nous aimons passionnément. Je pense aussi à la trahison envers mon frère. Et au poignard que tu lui as planté dans le dos. Meurtrière. Je vais te lâcher. Mais si tu cries, je te tue. Moi, je t'aimais, Sandra. Je t'aime, mais si tu ne veux plus entendre parler de moi, je te jure que je te tue. Non, tu peux rien faire du tout. Il y a beaucoup de gens là-dehors, ils peuvent t'entendre. Moi, je me fiche de tout ça. Quoi, tu ne comprends pas que je ne peux pas vivre sans toi ? Ne me tue pas. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me tue pas. Écoute. Pour moi, tu as toujours été plus important que ton frère. Mais il nous a découverts et il allait me tuer. Je te jure que je n'ai fait que me défendre, je te le jure devant Dieu. Je vais te laisser la vie sauve. Parce que je t'aime vraiment trop. Mais à une seule condition. Ce que tu voudras. Je retourne dans mon pays, en Afghanistan. Et je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tu sois mon épouse. Comment vas-tu, mon chéri ? Maman. Prends donc ton bébé. Tu as bien mauvaise mine, mon amour. Tiens, mon chéri, je t'ai apporté l'argent que tu m'as demandé. Je vais ranger ça. Donne-moi. Et pourquoi tu veux tout cet argent, mon chéri ? Tu ne crois pas que ce serait mieux qu'on l'utilise pour se payer un avocat ? Maman, avec cet argent, je vais me sortir de pas mal de problèmes ici. Quel problème ? Quel problème tu as, mon fils ? Il y a quelqu'un qui te fait du chantage ou quoi ? Maman, ne t'inquiète pas pour moi, hein ? Je vais bien. C'est bien vrai ? Oui. Merci de m'avoir amené mon fils, maman. Merci. De rien, mon amour. Horatio, écoute-moi, mon amour. J'ai appris ce qui est arrivé à Santiago. Raconte-moi pourquoi. Pourquoi il est en prison ? Je ne peux pas te parler, je suis occupé. Horatio, mais s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Ne me laisse pas dans cette angoisse. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis occupé, tu ne comprends pas. On est juste venu pour voir le bébé de Santiago. Bah, va le voir toi-même. Il est dans la chambre de Santiago, vas-y. Quoi, je suis le méchant loup et je vais te manger ? Qu'est-ce que tu as ? C'est bon, viens, Paulina. Ben quoi ? Toi, tu ne montes pas. Et pourquoi ? Paulina est mon amie. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Et pourquoi je ne peux pas monter ? Vous croyez que je suis une voleuse ou quoi ? Seulement Daniela. Oui, mais là où va ma sœur, je la suis. Je fais des feintes, je fais des feintes. Mais tu ne passes pas. Moi, je sais tout ce que tu peux faire face de bouc. Écoute-toi. Paulina, c'est pas grave, c'est pas grave. Je monte toute seule. Hein ? Je monte toute seule. Non, Daniela, moi, je vais pas te laisser. Ici, avec ce monsieur et toutes les cochonneries dont il est capable. Ils sont bien capables de te choper dans un coin et de te clouer au mur comme Jésus-Christ. Non, moi, je viens avec toi, Daniela. Paulina, arrête. Vraiment. Stupide ou quoi ? Ça suffit. Je veux voir Angèle.
Je m'en occupe un moment et c'est tout, voilà. Ah, mais tu ne me comprends vraiment pas, hein? Je vois vite. Quoi? Ah, Daniela. Je voudrais bien être avec toi, tu vois. Et puis pourquoi tu te mets toujours dans des problèmes comme ça? Tu viens avec moi ou je te tue? Oui, je vais venir avec toi. Je te le jure. J'ai juste eu un peu peur parce que tu me suivais. Souviens-toi des nuits qu'on a passées ensemble. Pourquoi tu m'as abandonnée, Sandra? Non. Je te jure que je ne t'ai pas abandonnée. Ma mère était très mal et donc j'ai dû revenir. Je t'aime beaucoup, je te jure. Tu viens avec moi en Afghanistan? Où tu voudras. On va partir dès ce soir. Est-ce que ton passeport est prêt? Oui, je l'ai. Je peux passer chez moi prendre des vêtements, s'il te plaît. Hein? On se voit à l'aéroport si tu veux. Je me dépêche, hein? Sandra! Pas de mauvais coups. Ne me trahis pas. Sinon, je me vengerai sur toi. Et aussi sur ta mère. Comment tu peux croire que je vais faire ça? On se voit tout à l'heure, je te le promets. On s'en va. On s'en va vite, on s'en va. Ne pose pas de questions. Je vais parler au docteur. Mais je m'en fiche, maman, rentre à la maison. Merci de m'avoir amené Angèle, maman. De rien, mon chéri. Dis-moi, pourquoi papa n'est pas venu avec toi? Parce que ton père est en train de remuer ciel et terre pour te trouver un avocat et pour que tu puisses sortir de cet enfer le plus vite possible. Maman, je crois que le mieux, c'est que je sois représenté par un avocat commis d'office. Non, mon chéri, non, il n'en est pas question. Ton père a de l'argent et il va engager le meilleur avocat de tout le pays. Ça, je peux te l'affirmer, je peux te l'assurer. Mon chéri, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comme je souffre de te voir ici. Tu n'imagines pas comme ça me fait mal de te voir ici, dans un lieu si horrible. Ne me dis pas ça. Ne dis pas ça parce que je vais venir à chaque fois qu'il faudra venir ici te voir. Moi, je t'aime, mon chéri. Je t'aime. Merci, maman. La visite est terminée, messieurs, dames. Ce n'est rien du tout. Calme-toi, maman, ça va bien se passer. Fais bien attention, mon chéri. Oui. Donne-moi le petit. Merci de m'avoir amené, mon petit ange. Bon, allez, donne-le-moi. Attention à sa petite tête, hein. Attention, maman. Oui, mon chéri. Stop. Prends bien soin de toi, mon petit. Merci, maman. Au revoir. Vous êtes blessé à la tête, docteur. Vous vous sentez bien? Bah oui, enfin, plus ou moins. Mais qui a fait ça? J'étais en consultation avec Sandra. Et c'est elle? Bah, ça ne peut être qu'elle. On était tout seuls. Cette fille va mal. Elle va très mal. Elle ne peut pas rester dehors. Angèle n'est pas là? Non. Où est-il? Il est avec sa grand-mère. Et pourquoi vous ne m'avez rien dit? Sa grand-mère l'a emmené voir son père. En ce moment, il doit être avec Santiago. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit quand je suis arrivée? Parce que je dois te parler de quelque chose. Mais moi, je n'ai rien à vous dire à vous. Mais moi aussi. Que fais-tu ici? Comment tu peux oser? Je t'ai dit qu'un jour tu seras à moi. Je viens tenir ma parole.
Jamais. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Et il lui répond, si je me baisse pas, je me cogne. Allez, allez. Si tu crois qu'avec ça, tu t'en es sorti, tu te trompes. C'est tout ce que j'ai, Carmelo. Ça ne fait que commencer. Karina, écoute-moi. Attends, mais je ne comprends absolument rien. On était à deux pour faire ça. Toi aussi, tu as bien bu, et tous les deux. Tous les deux, on a décidé de faire l'amour. Et tout à coup, quand je me réveille, je te trouve comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas bien ce qui se passe. Je veux partir. Attends, Karina. Tu ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas te laisser partir en pensant que j'ai profité de la situation, parce que ce n'est pas juste, car je n'ai pas profité de la situation. Karina. Oui, c'est de ma faute, j'ai décidé de boire. Mais ce n'est pas ça le problème non plus. Il ne s'agit pas de dire de qui est la faute. Écoute, l'important dans tout ça, Karina, c'est que tu comptes pour moi. Et beaucoup. Et pour moi, ça n'était pas n'importe quoi, et j'aimerais que tu puisses t'en rendre compte. J'aimerais bien que tu comprennes que je voudrais partager toutes ces choses avec toi. J'aimerais être ton copain, j'aimerais... Gonzalo, pas maintenant, s'il te plaît. Je veux rentrer chez moi. Je me sens très mal. Pardon, mais c'est la vérité. Si je peux faire quelque chose, dis-le-moi. Je crois que tu peux m'aider. Comment? J'ai besoin d'aide avec Angèle. S'en occuper. Tu sais que Sandra ne va pas bien et Angèle est un enfant qui nécessite de l'attention et de l'amour. Oui, je sais. Karina me donne un coup de main, mais je veux que tu t'assures que tout va pour le mieux. Tu veux bien? Bien sûr. Pour moi, ça sera un véritable plaisir de pouvoir t'aider. Daniela... Daniela, tu me manques tellement. Vas-y, allez. Vas-y. Ah, calme-toi. C'est bon, il va rien t'arriver. Allez, emmène-le. Allez, vas-y. Calme-toi, c'est bon, il va rien t'arriver. T'inquiète pas. Allez, emmène-le. C'est bon. Attention. Vas-y, c'est bon. Et voilà Fernando. Merci, Madame Carmen. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon amour. Dis donc, il y a encore Fernando. Quoi, tu ne lui as pas dit qu'on allait se marier? Mais bien sûr que non. Mais, tu sais quoi, on va se marier. Surtout, ne va pas penser qu'on va se marier parce qu'on vit déjà dans le péché. Non, c'est un mariage normal. Non, bien sûr que non. Diego. Bon, heureux alors... d'avoir fait ta connaissance. Enchanté. Merci. Et de même, monsieur. On t'attend au mariage. Cousine, hein, tu ne le dis à personne, hein? Allez. Ne vous inquiétez pas, madame. Passe le bonjour à ta mère. Oui. Je suis venu pour que tu n'aies pas emmené Michaela là-bas toute seule. Mais Michaela n'est pas ici, Diego. Et elle n'a pas de rééducation aujourd'hui? Non, elle n'avait pas de soins. Elle n'est pas chez toi? Non. Daniela est en danger. Il faut que je m'échappe. Il faut que je parte d'ici. Oh mon Dieu, cet assassin ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il paye son crime. Moi, j'aime vraiment pas du tout qu'elle soit avec cette face de bouc. C'est quoi?
Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et si je montais tout de suite? Mais qui est là? Vous m'emmenez? Mais tais-toi! Chut, chut. Tais-toi! Tais-toi! Tiens! Il est pour toi, Carmelo! Laissez-moi partir! Je vais payer! Oui, alors? Tu m'as payé pour que je te protège contre les méchants? Et ça, ce sont des garçons très bien! Tu as l'argent? T'es un vrai pourri! Je t'ai payé! Tu n'es qu'un imbécile! Et je ne te laisserai pas me parler comme ça! Et passe! Une excellente nuit! Allez, on continue. Attrape-le bien. Attends. J'ai plein d'argent. Ton heure est venue, petit, hein? Tu es un homme à vrai. Pourquoi tu laisses pas tomber le couteau? Hein? Tu sais ce que je pense? Que tu es trop jolie pour être un vrai homme, hein? Encore, mec? Hein? Et dans l'œil? Ne vous approchez pas. Lâche ça! Tu sais très bien qu'il n'y a personne ici dans cette maison, hein? Alors, hein? Il y a Pauline. Calme-toi. Il y a Pauline en bas, s'il vous plaît. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi. S'il vous plaît. Lâchez-moi, je suis la femme de votre fils. Lâchez-moi. Calme-toi. Je te dis de te calmer. Oui. Aujourd'hui, tu vas savoir ce que c'est qu'un homme. Non. Reste tranquille. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Lâchez-moi. Pauline, non.